Association. Et je vois en vous le chef du gouvernement d'un pays avec lequel nous soutenons les relations privilégiées. Mais nous allons naturellement, comme il est d'usage dans notre pays, engager une enquête administrative, également une enquête judiciaire, pour savoir pourquoi cet accident s'est produit et les leçons techniques éventuellement qu'il faut en tirer. Pour le moment, je pense surtout, comme je l'ai déjà exprimé avant de quitter Paris, aux victimes et aux familles des victimes vers qui vont ma compassion et ma solidarité. C'est maintenant une responsabilité nouvelle, si vous êtes dans votre propre pays, pour avoir un peu votre amitié. Et donc, comme moi, vous faites des expériences concrètes. Que nous avons également trouvé ensemble la solution politique et diplomatique qui finalement s'est imposée à partir du moment où M. Milosevic a accepté les conditions de la communauté internationale. Et à cet égard, il faut savoir, gré à la Russie, d'avoir joué un rôle actif. Dans ce cadre, comment pouvait s'inscrire de nouvelles coopérations ou de nouveaux fonds ? Российская сторона ставит вопрос о том, что не следует, и, наверное, не очень корректно, и, может быть, даже недальновидно, напрямую увязывать вопрос об оказании помощи 10 миллионам пострадавших людей, в общем-то, невинно, по сути дела, пострадавших, за политику рассчитываются, как правило, невинные граждане из-за ошибки политиков, напрямую с уходом Милошевича. Я думаю...